l'encre des jeunes, c'est pour s'ancrer à travers la tempête, c'est pour retrouver son potentiel, se ressourcer pour mieux traverser cette tempête-là qui se doit d'être temporaire. J'étais une fille timide, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais une fille qui s'isolait beaucoup, je me suis fait intimider, j'avais pas d'estime de soi. Une journée à l'angle, ça ressemble à... tu rentres, tu vois le sourire de tout le monde et tout, le matin, on se lève du mauvais pied, rendu là, genre, on a toujours le sourire. L'éducation, c'est la liberté. L'éducation, c'est la liberté de choisir. Ça donne un ensemble d'avenues à emprunter. Puis celle-là, je l'emprunte parce que je l'ai choisie, parce que j'ai été éduquée sur mon potentiel, j'ai été éduquée sur les ressources, puis j'ai été éduquée sur les contacts à avoir. C'est tout ça, l'éducation. Donc, quand on s'y coupe, bien, on se coupe de tout ça. Bien, avant l'angle des jeunes, j'arrivais pas tout le temps à comprendre mes devoirs, bien faire mes devoirs, puis j'avais pas de bonnes notes. Mes parents parlaient pas français, j'avais pas de grand frère ni de grande sœur qui pouvaient m'aider. Bien, l'angle des jeunes m'aide dans mes devoirs, dans mes notes scolaires, dans mon bulletin, dans les examens qui approchent, dans les créations parce que je crée plein de choses. L'imagination, c'est ça? Durant l'année, l'angle m'a apporté que je me suis déjeunée, que je suis mieux dans ma peau, je sors dehors puis j'exprime ma joie et tout. Et c'est qu'est-ce que j'avais pas avant. Ça va amener sur, comme conséquence sur le marché du travail, en fait, que ce seront des employés qu'ils n'auront pas. Ce seront des investisseurs qui seront absents. Ce seront des clients qui n'auront pas le pouvoir d'achat. Ce seront un réseau de contacts dont ils se priveront. Et c'est là où, avec le vieillissement de la population, avec la complexité des problèmes sociaux, nous n'avons pas les moyens de nous passer des rêves et du potentiel de cette jeunesse-là. Mon souhait le plus cher, en fait, ce serait qu'il y ait d'autres encres des jeunes. Parce que vraiment, on sent que ces jeunes-là, ça a transformé leur vie, ça a transformé leur personnalité, leur famille, en fait, en sont plus unis. Leur communauté ne s'en porte que mieux.